Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons commencer à dessiner des cartes automates à partir d'un module qui n'est pas d'origine sur Cyletrical Expert. Si vous prenez la version de base, ça y est pas. Il y a un module PLC qui est payant, qui permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Alors, on va commencer. Alors aujourd'hui, on va dessiner un petit module programmable. Ce n'est pas un vrai automate industriel, mais un petit module programmable Zelio de Schneider. On va générer des cartes d'entrée-sortie. Donc, où se trouve ce module PLC? C'est dans traitement et assistant pour entrée-sortie automate. Une fois qu'on a ça ouvert, donc il apparaît ici une fenêtre, on a API. On peut mettre plusieurs automates, dont nous on va rester sur API 1, et là on fait un clic droit et on clique sur référence, ou sinon on peut appuyer sur la touche F11. Donc ici on a plein de références, il y en a 16 000, hein. J'avais regardé sur internet, en tout cas en 2000, l'année dernière, il y avait IGEXAO, il disait qu'il y avait 16 000 références, 16 000 automates. Donc, il y en a beaucoup. Donc là, nous, on va filtrer par fabricant. Donc on a du Schneider. Donc on va chercher Schneider ici. Ici, on a la série. On a toutes les différentes séries. M221, M241. Nous, on a la série Zelio, Zelio Logic. Et on prend ici, on choisit une référence. Donc mettons, on va prendre celui-là, là. SR3, celui qu'on a utilisé au lycée récemment. Voilà, et on fait OK, un double clic ici, hein, comme une référence classique, et on fait OK. Voilà. Donc ici, il m'a généré, enfin, il m'a créé, ben, il a retrouvé l'automate avec les entrées-sorties. Hein. Donc il y a deux entrées tout orient et quatre entrées analogiques. Et on a ici les sorties. D'ailleurs, il l'appelle OCQ, la sortie. On va modifier ça, mais ça tombe bien, il y a une erreur. Donc, comment moi je voudrais par exemple mettre un mnémonique sur mon entrée ou mes sorties. Donc comment on fait? Il faut cliquer ici sur le module et après on clique sur entrée. Et là, le premier par exemple mnémonique, on va marquer DCY. Allez, mettons c'est un bouton poussoir DCY. Donc on va écrire bouton poussoir D par cycle. Ça fait un peu beaucoup, je vais marquer D par cycle, BP D par cycle, et la sortie, on va marquer, allez, EV, électrovan, voilà, vraiment, c'est la démo, hein. Electrovan, voilà, par exemple. Donc, voilà pour ça, alors là, justement, je disais, O, ça va pas, mais c'est Q, donc ici, je double-clique là, et je tape Q. Alors, y a plus rapide, hein. On verra plus tard hein, d'autres vidéos, mais il y a plus rapide de taper QQQ chaque fois. On peut faire beaucoup plus rapidement. Mais voilà, donc ici c'est bon, I1, I2. Mais maintenant, on va générer le folio, les folios de cartes d'entrée-sortie. Alors pour générer les folios, c'est comme la V4, il faut savoir qu'il faut cliquer sur Option et Génération SLF. Sinon, ça ne vous générera pas les cartes d'entrée-sortie. Nativement, c'est bloc. Faut cliquer là-dessus. C'est très important, cliquez là-dessus. Une fois qu'on a fait ça, bien on va générer fichier, générer folio. Là, on fait générer. Alors, on peut toucher ça, qui ne génère pas les racks, mais on peut ici donner un groupe de destination, mais on va tout laisser d'origine. Hein. On fait générer. Voilà, ça nous a généré. Donc ici, on va retrouver, normalement là, dans le dossier, il apparaît mon API. Voilà, il apparaît ici, on va double-cliquer dessus. Il y a mon API, c'est pas un vrai automate, mais un module programmable. Vous avez ici la vue de la face avant du petit module programmable. Et après, ici, vous avez les cartes d'entrée-sortie. Donc, il apparaît ici, nous on a mis DCY, il apparaît DCY, c'est normal, hein, D par cycle. Si mettons ici, on voulait saisir une autre entrée, mais je double-clique là, ici, faut savoir, et là, je vais aller mettre ma mnémonique là-haut, mon commentaire. Alors, mnémonique, commentaire, ça se trouve dans attribut, ça c'est nouveau, avant c'était directement écrit, faut
développer attribut et ça paraît là. Donc mnémonique, mettons, on va prendre ES0, ES0, et on va écrire, mettons, détecteur bas, détecteur bas. Voilà. Et après, bien sûr, on peut marquer autre chose ici, hein, la troisième ligne qui sera là. Et on fait OK. Et bien sûr, ça apparaît là-haut, hein, ce qu'on a écrit. Donc, il faut double-cliquer ici, quoi. Ici, alors ça arrive de temps en temps. Ici, il y a un bug, hein, ça a mal généré. La V4, c'était pareil. De temps en temps, il y avait des petits soucis comme ça. Là, on veut faire un trait. Donc, tout simplement, on va faire entrer un dessin. Hein. On clique sur dessin, ici. Et on va faire un trait bleu. Hein, voilà, la plume bleue. Et on va faire un trait ici. Alors là, je suis libre, donc faut faire attention. Il faut prendre le magnétisme ici, là. Je vais faire pas utilisateur. Voilà. Ça, j'avais expliqué lors d'une précédente démo. Donc, on y va. Je clique là. Je clique là. Ah, j'arriverai pas au bout. Donc là, je vais tout décocher pour être libre. Et il faut être précis. Et là, on va faire un trait de là à ici. Voilà. C'est de temps en temps ça arrive. Donc on a ici les bornes, bien sûr, I1, I2, IB, ça correspond parfaitement. Si vous prenez le module programmable, ça correspond parfaitement. Hein. Et ici, pour les sorties, ben, on a changé Q1. Donc on a Q1 1, Q1 2. Donc c'est la borne 1 de Q1, la borne 2 de Q2. Là aussi, il y a un petit bug. Hein. Ici, il devait apparaître un trait. Donc je ne vais pas le faire pour la démo, je l'ai fait juste avant. Faudrait rajouter un trait ici et le copier-coller trois fois. Il y a quelques soucis comme ça. Et pour finir, sur les sorties, bien sûr, ben, on double-clique ici. Là, et après, dans attribut, on écrit ce qu'on veut, mnémonique, désignation, première ligne, désignation, deuxième ligne. Et ça apparaîtra bien sûr là-haut. Hein, ici, ça apparaîtra là. Voilà pour ce tutoriel.